pourquoi choisir un jeune formé à l'université ? Parce que les formations à l'université, c'est des formations par la recherche. C'est-à-dire que les jeunes qui sont formés à l'université savent s'adapter et savent s'adapter au monde de demain. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une formation extrêmement pointue, orientée vers les métiers d'aujourd'hui, mais qu'on leur a appris dès la première année à se remettre en question et surtout à questionner en permanence les métiers de demain. Et la deuxième raison pour laquelle il faut choisir des jeunes qui ne vous ressemblent pas, c'est parce que votre client ne vous ressemble pas. Et il faut vraiment que on recrute des jeunes qui ressemblent à vos clients. Or, aujourd'hui, les clients des entreprises, que ce soit des entreprises secondaires ou tertiaires, ce sont des jeunes comme nos étudiants. Ce sont des gens qui ont toutes les couleurs de peau, qui ont tous les langages, qui ont tous les codes. Avec le retour, tout simplement, d'expérience, de vécu. Donc, j'ai réussi aussi à me projeter professionnellement et à mieux orienter ma recherche professionnelle. Notre groupe, sa mission est d'accompagner justement ces jeunes du collège jusqu'au premier emploi. Donc justement de faire des passerelles entre les universités et les entreprises. Donc on ne pouvait pas ne pas suivre ce beau challenge. Au quartier du talent, on m'a vraiment apporté un gain de temps très important. Oui. Parce qu'on peut dire que j'ai galéré peut-être une année après mes études. Oui. J'étais donc à l'université Paris 8, pas très loin de Paris, de Villetaneuse. Et donc voilà, si j'avais eu justement cette information sur cette association qui est nos quartiers du talent, bien entendu, j'aurais contacté cette association bien avant, j'aurais eu un gain de temps très important. Notre objectif, c'est que les jeunes de nos universités connaissent le plus en amont le dispositif pour s'inscrire dès l'obtention de leur master à nos quartiers des talents. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que les jeunes connaissent le dispositif le plus en amont, comme je le disais, pas simplement au niveau master, mais quand ils sont en licence. C'est-à-dire licence première année, deuxième année, troisième année. Et donc l'idée, c'est également de communiquer et d'informer les jeunes qui sont en licence des métiers de demain. Les entreprises, on a vraiment besoin de vous. On a besoin de vous parce qu'aujourd'hui, il passe 3000 jeunes par an. Et son ambition, c'est rapidement de passer de 3000 à 10 000. Donc il faut qu'il multiplie effectivement les entreprises, le nombre d'entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu avec lui. Alors on compte sur vous et je répète, vous verrez, vous y gagnez.